Bonjour à tous, bienvenue sur News Jardin TV, la chaîne 100% plantes, jardins, jardinage, botanique et nature, qui vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle émission. En ce début de l'année 2023, nous avons le plaisir de vous offrir ces lectures nature qui vont vous présenter des publications récentes ou un peu moins récentes consacrées à cet univers que nous aimons tant. Tous les 15 jours, avec la complicité de ma petite jardinière Nicole, qui réalise l'ensemble des images de cette émission, je vous présenterai des livres, des magazines, des revues, et ceci en toute liberté et avec un esprit critique comme celui que vous me connaissez. Cette présentation se fera sans concession, ainsi que nous l'avons déjà fait dans les quelques 80 numéros de notre grande émission. Bienvenue au jardin que vous pouvez consulter à tout moment, notamment si vous êtes membre de News Jardin TV, le club. Vous trouverez également dans la partie actualité de notre site www.newsjardin.tv.com une rubrique livre dans laquelle il y a déjà énormément d'ouvrages présentés très très intéressants. Je commencerai cette première émission par un magazine. Il est peu connu mais extrêmement intéressant. Il s'agit d'hommes et plantes la revue du CCVS, le Conservatoire des collections végétales spécialisées. C'est une petite revue de 52 pages qui paraît tous les trois mois et qui, par sa qualité, est tout à fait étonnante par rapport à une association. Alors bien sûr, c'est un peu botanique, il y a des articles assez spécifiques que vous retrouvez nulle part ailleurs. Mais c'est particulièrement intéressant. Et moi-même, ayant été pendant 10 ans rédacteur en chef de cette revue, je peux vous dire que j'y ai appris énormément de choses et que la botanique que je vous transmets aujourd'hui, je leur dois en partie. Bien sûr, le contenu est destiné aux passionnés, à ceux qui s'intéressent très particulièrement aux plantes et à la botanique. Ce n'est pas un magazine de débutants. Et dans ce numéro, précisément, vous avez un article très intéressant et très complet sur les personnages, les galantus, toutes les espèces botaniques de cette petite bulbeuse qui fleurit en hiver. Et puis, vous avez aussi une présentation d'une collection de cactus. Et je voulais aussi signaler qu'il y a un hommage tout particulier à Madame Aline Reynal-Rock qui nous a quittés et que dans le prochain numéro qui sortira... Dans le courant janvier, il y aura aussi un hommage à un autre grand botaniste qui a disparu l'année dernière, M. Franklin Picard. Est-ce que vous aimez jardiner avec la Lune Eh bien, si c'est le cas, voici ce que l'éditeur a appelé un cahier, qui est en réalité un petit livre pratique tout à fait intéressant, écrit d'ailleurs, curieusement, par la rédactrice en chef du magazine que je viens de vous présenter. Donc on voit que quand on est journaliste, on peut être extrêmement éclectique et passer de la botanique aux choses un peu plus ésotériques, puisque bien sûr dans ce petit ouvrage, vous avez la présentation classique de tout ce qui peut être le jardinage avec la Lune, mais aussi les éventuelles interactions des constellations du cosmos avec le jardinage. Là, on est dans quelque chose que l'on peut croire ou ne pas croire. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sortes de tableaux. Alors, mois par mois, mais aussi l'ensemble de toutes les tâches jardinières que vous devez faire. Alors, que vous jardiniez avec la lune ou pas, eh bien, si vous êtes débutant, vous avez un petit livre qui va vous convenir et qui surtout n'est pas très cher. Il coûte 8,90 euros. Il a été écrit par Rosen Lepage et il est publié par Cela avec la participation de Villemorin. Voici ce que l'on appelle un beau livre. Vous voyez cette reliure cartonnée vous avez un grand format. C'est un ouvrage qui a 216 pages. Il est écrit par Jean-Philippe Tessier et Sophie Stenbach. Alors, vous les connaissez peut-être si vous regardez la chaîne Arte, parce que entre 2016 et 2020, ils ont animé une émission qui avait le même titre Jardin d'ici et d'ailleurs. Les éditions de la leur ont proposé d'extraire des quelques 70 voyages qu'ils ont pu faire autour du monde à la découverte des plus beaux jardins, et eh bien, 10 jardins qui les intéressaient tout particulièrement et qui étaient surtout extrêmement différents. Alors dans ce livre, on circule en Europe, France, Italie, Grande-Bretagne, on va aux États-Unis, on va au Japon, on va en Afrique du Sud, et l'on va découvrir les merveilles de ces jardins. Bien sûr, il n'y en a que dix, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des plans qui nous donnent une idée assez précise de ce que peuvent être ces grands, grands jardins. Et bien sûr, on découvre les sens, toute l'essence, toute l'histoire, la structure de ces jardins. Et comme le disent eux-mêmes les auteurs, ils invitent le lecteur à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de celles et ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. C'est vraiment une découverte de lieux exceptionnels, lieux fragiles également, qui sont présentés avec des images de très très belle qualité. Le livre vaut 39,90 euros et il est édité par Delachaux et Ce C'est pas parce qu'un livre est petit qu'il n'est pas dense, complet et qu'il n'apporte pas énormément d'informations. Voici créer une mini forêt-jardin. C'est une mère qui l'a édité et l'auteur est Charles Hervé. Gruyé. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose si vous êtes un adepte de la permaculture, parce que c'est un des grands gourous, si je puis dire, de cette permaculture. Il a créé il y a 18 ans la ferme du Bec à Loin, et aujourd'hui, il est considéré, avec sa femme, comme l'un des principaux acteurs de ces nouvelles technologies de culture. Et là, ici, il va vous présenter quelque chose d'assez original, je dirais même de très novateur, à savoir créer une mini-forêt constituée uniquement de plantes comestibles. Il vous dit que c'est facile, il vous dit que tout le monde peut le faire, que tous les jardins, petits ou grands, peuvent accueillir ce type de plantation. Personnellement, j'ai un peu de doute parce que non seulement tout ce qui est fruitier, tout ce qui est productif, demande quand même pas mal d'entretien, demande des conditions particulières aussi, pour pouvoir bien s'installer et surtout bien fructifier, demande aussi des interventions, mais vous pouvez suivre les conseils de Charles Hervé -Gruyer. Que pourrais-je critiquer dans ce livre Eh bien, c'est sa densité. Alors, c'est vrai que c'est pratique d'avoir un petit livre qui tient au creux de la main, mais il y a tellement de choses que ça aurait valu le coup, quand même, d'en faire un volume un peu plus grand, un peu plus gros, et puis peut-être de le structurer. De manière à ce que l'on n'ait pas des kilomètres de texte à lire pour comprendre un petit peu ce qui est dit. Mais autrement, c'est vraiment très, très intéressant. C'est dans l'air du temps et ça développe des pistes tout à fait particulières, mais qui devraient, à terme, avoir sans doute un certain retentissement. Ce livre vaut 16,90 euros et je vous l'ai dit, il est édité par Ulmer. Et si l'on donnait une âme à notre jardin, en tous les cas, c'est ce que veulent faire. Alexandra Torosian et Morgan Hillin dans ce livre qui est édité par Belle Balade Édition. Ce sont deux paysagistes qui vous présentent simplement 10 de leurs créations, mais alors c'est vraiment très très détaillé. Vous avez le plan, vous avez l'histoire, pourquoi ils ont été en contact avec le propriétaire, comment ça s'est passé, quelle était la demande du client, comment elles ont. Extrapolés dans leur création pour obtenir ce jardin. Et même, on a aussi, en fin de chaque article, je puis dire, eh bien, les plantes qu'elles ont utilisées. C'est pas mal fait du tout, parce que les textes sont courts, ils sont précis, ils ne vous donnent pas de blabla. Alors, ça manque certainement un peu d'informations sur le côté végétal, parce que on vous montre parfois une plante, on vous la cite, mais on ne vous dit pas vraiment pourquoi on l'a choisie et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter de particulier, est ce qu y avait un sol, une exposition, quelque chose qui justifiait cela. Et puis ma critique, elle ira surtout sur la qualité des photos. Alors parfois, c'est vraiment de la photo d'amateur, il faut bien le dire. Mais globalement, c'est un livre qui est sympathique, original, personnalisé, puisque c'est les jardins qu'elles ont créés, et qui a l'intérêt de présenter surtout des créations. Accessible à tout le monde. C'est un peu le jardin de Monsieur Tout-le-Monde et c'est cela que l'on retiendra principalement de cet ouvrage qui coûte 31,90 euros et qui est proposé par Belle Balade Édition. Et nous terminerons cette première émission avec un livre que j'ai adoré. C'est une année jardin avec un dingue de plantes ». Alors le dingue de plante c'est Didier Villery. Vous le connaissez sans doute parce qu'il n'en est pas à sa première rédaction, il a travaillé dans pas mal de magazines, il est aussi directeur de collection chez Ulmer qui édite ce livre. Le livre est passionnant et très très original. Alors c'est vrai que Didier est un véritable dingue de plante, un expert parce que il est responsable des collections du jardin du Vaste Rival. Ce fabuleux jardin créé par la princesse Greta Sturza à Sainte-Marguerite-sur-Mer en Normandie. Et il y a pas moins de 8500 espèces et variétés de plantes dans ce jardin. Alors autant vous dire que Didier, c'est un as en matière de connaissances végétales. Alors qu'est-ce qu'il nous fait dans ce livre Eh bien, déjà, il révolutionne un petit peu certaines de nos habitudes, puisqu'il le décline non pas en quatre saisons, mais en huit saisons. C'est le cœur de l'hiver, l'avant-printemps, la saison des bulbes entre le printemps et l'été, la saison des roses, l'été des paysans, la saison des astères et le temps des prolongations. Vous voyez, il y a déjà un petit côté littéraire aussi là-dedans, et puis, bien sûr, le fruit de l'expérience. Eh bien, on y trouve une multitude de photos dans des classements thématiques par rapport à des usages, et chacune de ces photos est illustrée par un texte précis qui vous explique... Toute la raison et la justification de ce choix. Donc, c'est un livre qui est facile à lire puisque vous pouvez zapper comme vous le voulez, surfer à l'intérieur, passer d'un petit morceau à l'autre. C'est plein, plein de conseils et surtout, c'est une foule de bonnes idées. Pour moi, c'est vraiment un livre extrêmement réussi. Il coûte 30 euros. Il est édité par Ulmer et franchement, je vous le conseille. Ça sera mon coup de cœur pour cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Nous choisissons de façon tout à fait libre avec Nicole les livres et les magazines que nous souhaitons vous présenter. N'hésitez pas vous-même à poster vos commentaires par rapport à ces livres, si vous les avez lus, si vous les avez appréciés ou pas, parce qu'ils pourront servir à l'ensemble de notre communauté. En tous les cas, je vous remercie d'être fidèle à News Jardin TV et je vous rappelle que nous avons News Jardin TV, le club, pour que vous puissiez bénéficier de l'ensemble de nos publications. Du quotidien du jardin et de bienvenue au jardin, mais il y a aussi 1200 vidéos à votre disposition sur la chaîne YouTube. Alors à très bientôt pour de nouvelles lectures jardinières.